93, Barreau 21, Club Région Guadeloupe, 161, TV encore. Francisco Soir, Mancebo, André-Élie Durand et Jaïm Rodira. Je continue avec le classement pendant qu'ils sont là. À la quatrième place, Javier Chacon, également de l'équipe espagnole. Cinquième, José Chacon du Guadalajara 118. Sixième, Edwin Sanchez. Vargas, un pays de connaissances, un cesse sociétaire de l'ASBM et de l'UVENA revient en Guadeloupe sous les couleurs de son pays. Le Vénézuélien déclenche des hostilités à 25 km de l'arrivée. Freddy Vargas s'en va seul pour un triomphe sans partage à DF. Il fait d'une pierre deux coups, victoire et maillot jaune. Premièrement, je voudrais remercier la sportivité des Guadeloupéens. Ils donnent des boissons fraîches à tous les coureurs sans distinction. C'est un... De toute façon, je suis un inconditionnel de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Une affection très bonne et très importante pour le cyclisme. Je pense que j'ai couru dans beaucoup de pays et c'est une grande affection ici en la Guadeloupe. Je pense que je ne no me encuentro en ce moment en forme pour... Nous avons appris que lundi dernier, par la fédération vénézuélienne, que nous allions au Tour de Web. Nous n'avons pas une grosse préparation, nous ferons un tour tranquille. Me ha llamado el lunes para venir a la Guadeloupe. Yo estaba entrenando tranquilo. Après quelques essais, en tête de course, peu après Saint-Anne, au kilomètre 28, Régis Maréchaux, Giovanni Rousseau, Jules Lenclume, Miguel Curassier. Ces quatre-là vont posséder jusqu'à 3 minutes et 48 secondes sur le peloton. Mais après une longue échappée de 105 km, ils doivent se rendre à l'évidence, les Espagnols ont mis en route. L'irréductible Maréchaux est victime d'une crevaison, il est doublé par toute la caravane. La suite, vous la connaissez, victoire de Vargas. Yanis Contrôle remporte le sprint du peloton, il s'octroie la deuxième place, Ronnie Rex complète le podium. Madame le maire libère les 154 concurrents de cette demi-étape très nerveuse. Première mèche allumée par Edwin Sanchez Anzola de Gillette Fusion. Mais l'équipe vénézuélienne ne lui laisse pas le champ libre. Il faut dire que le Colombien est un sérieux client. Sur sa carte de visite, trois places de troisième au général final du Tour de Guadeloupe. Cela ne tient pas du hasard. De fait, il est rapidement rappelé à l'ordre. C'est au tour de Thierry Hatto de tenter l'aventure. En attendant les renforts qui n'arrivent pas et s'époumonnent contre le vent de face et de travers, il est repris lui aussi. Dans les abîmes se constitue l'échappée la plus sérieuse de la journée. Sandy Cruz Martinez, un habitué du tout, vainqueur l'an dernier du classement des points chauds, avec lui Martial Gênes, dernier vainqueur du Tour de Guyane, gagnant de deux étapes l'an dernier sur le Tour. Ils auront jusqu'à 1 minute 50 d'avance avant de se faire rattraper eux aussi par le peloton dans les 10 derniers kilomètres. La victoire se joue au sprint. José Chacon du Guadabaiqueuse est le plus véloce. Il s'impose devant Edwin Sanchez Anzola. Francisco Mancebo, en bleu, complète le podium. Une aide bastante à l'équipe. Et bueno, venimos en bonne préparation.
tenemos tres corredores para ganar la carrera. Está Boris Karen, está Miguel Ubeto, está mi persona. Esperemos que de aquí en adelante pues se nos den las cosas. Emil Nicholson est cinquième. Vargas arrive dans le peloton. Faire un fait marquant puisque ce sont les Suisses qui ont pourtant bien démarré cette épreuve, mais ça va mal tourner à un kilomètre du but, à un kilomètre de la fin, puisqu'ils ont dû franchir la ligne d'arrivée à pied. Et oui, et parmi les plus touchés, c'est Yves Mercier qui a été très rapidement pris en charge par les pompiers. Alors il faut signaler que c'est une chute, à un kilomètre. Alors c'est Yves Mercier, comme vous voyez, qui est dans l'ambulance des pompiers. Et bon, il a été pris en charge très rapidement. Alors, le Venezuela a joué de malchance dans ce contre-la-montre par équipe. La formation de l'ancien maillot jaune s'est trompée de parcours. Et les coéquipiers de Freddy Vargas se retrouvent à la 10e place de cette épreuve de vérité en 39 minutes, 23 secondes et 68 centièmes. Le Club Orange réalise le 9e meilleur temps dans ce concert international. Malgré des moyens limités et l'absence de Cédric Blévinal, les Saint-Rosiens parcourent la distance en 39 minutes, 15 secondes et 9 centièmes. Bonne performance du club de la Digicel JCA. Les Abimiens obtiennent la 8e place. Ils ont couvert la distance en 39 minutes et 12 secondes et 43 centièmes. L'Allemagne a terminé à la 7e place. L'Allemagne termine dans cette 7e position. La formation régionale de Francfort est composée de 6 jeunes éléments. La moyenne d'âge, il faut savoir que c'est une moyenne d'âge de 20 ans. Il parcourt la distance en 39 minutes, 3 secondes et 24 centièmes. Alors la surprise de l'après-midi, c'est la performance du vélo club de Grand Case. Sous l'impulsion de leur chef de file, le Colombien Juan Pablo Wilches, l'essai martinois se hisse à une honorable 6e place. Il réalise 38 minutes, 42 secondes et 87 centièmes. Bonne prestation de l'équipe Gillette Fusion UVN. Les Ansois obtiennent la 5e place. La bonne à Maréchaux, Anzola et Palmist ont fait forte impression. Leur temps 38 minutes, 31 secondes et 84 centièmes. Petite déception pour les favoris de l'épreuve. Ils ont tout de même tenu leur rang, pourrait-on dire, après avoir démontré dans le prologue, lors du prologue, que lorsqu'on parlait de pronos, eh bien, il fallait compter avec eux. En tout cas, ils n'ont pris que la 7e place. Le club Région Guadeloupe s'octroie une très belle 3e place pour le podium. Les Curiers, Cornélie, Bondo ont démontré leur force collective sur cet exercice. Ils réalisent 38 minutes, 11 secondes et 9 centièmes. L'UFR Matouba Rayon d'Argent a été à deux doigts de faire exploser le chrono. Malgré la pluie, les Mizurov, Sanchez, Crimenez et Jiblaka ont réalisé un bel exploit. Le club de Capesterre-Belo termine à une belle 2e place, 37 minutes, 58 secondes et 87 centièmes. Les Guadabaïqueuses ont défié le chrono malgré l'absence de Ross Serrant, Luis Karen, Miguel Ubeto, Luis Sabon, Cédric Eustache, le nouveau maillot jaune José Chacon qui rafle la mise. Et on va l'écouter. Atento, verdad, pour le triunfo de hoy. Bueno, en la mañana gané. C'est une bonne victoire pour aujourd'hui. Donc demain, nous allons voir. Donc ils vont remercier les sponsors. Et puis, on va voir ce qui va se passer demain. Ils vont faire les efforts en tout cas pour garder nous. Igual que Tony Bello allá en San Francisco. Aujourd'hui, je pense que c'est un bilan satisfaisant puisque ce matin, on gagne avec José Chacon. Cet après-midi, l'équipe gagne. Donc, il ne faut pas crier victoire trop vite, mais bon, au moins, on a réussi le début de tour. Dans cette échappée royale, Francisco Mancebo
Oscar Garcia pour l'Espagne, Olivier Curier, Manuel Antoniguez pour le club Guadeloupe, Luis Sablon et Miguel Ubeto pour le Guadabikers. Avec eux, Régis Maréchaux, Marcel Gênes, Olivier Londas de la Martinique ou encore Julien Clume. Ils sont 14 à former cette escouade de tête. Derrière, le peloton du maillot jaune accuse déjà 6 minutes et 15 secondes de retard. Boris Karen, André Niouzov et Edwin Sanchez Anzola sont les grands battus de la matinée. À cet instant, Miguel Ubeto est le virtuel leader du tour. Après la serre Moronalo, on annonce le retour de Pimpim Edwin Sanchez Anzola, accompagné de Boris Karen et Cédric Eustache, sermonné par leur entraîneur. Ils font le nécessaire pour revenir sur l'échappée de tête. Miguel Ubeto, à cet instant, attend désespérément un changement de vélo qui ne vient pas. Devant, on ne se pose pas de questions, ces trois-là s'en vont. Régis Maréchaux, Freddy Vargas et Martial Gênes. Mais dans les 15 derniers kilomètres, on annonce un retour des hommes de contre-attaque. Martial Gênes préfère abdiquer, il a eu tort. Freddy Vargas offre une belle deuxième victoire d'étape sur le tour. Deuxième, Francesco Mancebo. Troisième, Miguel Ubeto. La valse des maillots se poursuit, il est désormais sous les épaules de Ubeto. Si ça marchait à merveille, on a dit que la stratégie aujourd'hui c'est l'attaque et voilà, ça fonctionnait comme il fallait. Je remercie vraiment à toute mon équipe. On a roulé à la fin, j'étais juste parce que je roulais depuis au départ. Aussi, je roulais beaucoup dans la chapelle. J'ai dans la contre-la-monde, à la fin vraiment j'étais juste. Je crois que c'est quelque chose de bien déjà de porter les maillots, même si c'est pour une journée, c'est quelque chose de bien. C'est une des meilleures choses qui m'arrivent jusqu'à maintenant, comme le tour de Tachira. Et voilà, on va continuer à les défendre. Maintenant, on peut dire qu'on a écarté à pas mal de grosses coureurs. Maintenant, la bagarre sera avec Venezuela et Mancebo. Au classement général, ils sont dans un mouchoir de poche. Mancebo est deuxième à 3 secondes, Boris Karen troisième à 4 secondes. On verra un peu plus clair demain au terme de la première étape de montagne. C'était prévu, le combat des chefs a bien eu lieu ce matin dans l'estomac à Frédéric, puis dans Bayargent, deux cols de première catégorie. Mirozov tire sa révérence, il est pris en charge par Boris Karen, le seul à rester dans sa roue. Ses deux coureurs ramassent tout sur leur passage, les éclaireurs partis entre le moule et des Boris Karen ne collabore pas. Il y a Chacon 9 ans et derrière son leader Ubeto, Mirozov, rageur, rajoute une dent et repart. Il reprend ici Olivier Curier, longtemps virtuel leader sur le tour. À l'arrière, Mancebo est marqué par Ubeto. Signalons le bon comportement de Olivier Rago. Il y a Ismaël Sarmiento également dans ce groupe. À Bouillante, Ubeto est victime d'une crevaison. La pointe, il ne reviendra plus. Entre-temps, Mizurov a rejoint José Chacon, Edwin Becerra. Sous l'impulsion du Kazakh, Philippe Palmiste et John Novak qui étaient avec eux ont dû abdiquer, rythme trop élevé. Le trio se présente donc à l'arrivée à Vieux Habitants. Edwin Becerra s'impose devant José Chacon du Guadabikers 118 et Andrei Mizurov. Le maillot jaune, toujours aussi capricieux, a choisi cette fois les épaules de Francesco Mancebo, nouvel leader du tour. Nous sommes à Riversan sur la route du littoral goubérien. 15 coureurs composent ce groupe d'échappés. Les Guadeloupéens Frédéric Atoll, Laurie Bédard et Limien, Cédric Eustache, le meilleur jeune du tour, le maillot blanc, Cédric Lautric, Michael Clarico, Ronny Rex et Luis Sablon, le Guyanais Christophe Casala, l'Espagnol Hector González, Pablo Wilches du VCG Saint-Martin, les Vénézuéliens Hendrix Hernandez et Freddy Vargas. Le peloton voyage à 40 secondes, puis à 1:20 à Trois-Rivières. Un peloton emmené par la formation espagnole Heraclion Castro Murcia du leader Francisco Mancebo. On sort de Trois-Rivières par Salé, direction Capesterre. Edwin Sanchez Anzola, sur son terrain d'entraînement, décide de partir seul à la recherche du groupe de tête. Dans le peloton, on ne bouge pas, pourtant l'homme est dangereux.
La jonction opérée, on se regarde en chaîne faïence. Que faire avec un tel homme, un homme si encombrant? Mais le sociétaire de Gillette Fusion ne se pose pas de questions. Il relance l'échappée. À l'entrée des abîmes, l'écart passe à 2 minutes et 41 secondes. Il y a danger pour le leader Mancebo. L'Espagne le comprend vite et met en route. Cependant, l'écart passe à 3,15, mais retombe boire aussitôt. Ici, Martial Gênes, Rocras et Quentin Legrand tentent de revenir en tête, mais ils n'y parviendront pas. Entre-temps, Julien Lautric et l'Espagnol Hector González portent une attaque décisive. Ils sont dans les faubourgs des abîmes. La victoire est pour González. Lautric est deuxième, Ronny Rex troisième. Francisco Mancebo conserve le maillot jaune de leader. Boris Karen est toujours deuxième à 1 seconde. Olivier Curier rentre dans l'histoire du Tour. À 5 km de l'arrivée, sauf incident, il savait qu'il avait endossé le maillot jaune pour la première fois de sa vie. Selon un plan parfaitement exécuté par le club Guadeloupe, 5 coureurs de la sélection se retrouvent aux avant-postes très tôt ce matin. Fabrice Cornelli, William Bondo, Kieran Barolin et Michael Clarico. Un peu plus tard, quelques autres coureurs sont venus leur prêter main forte. Derrière, les Espagnols contrôlent, ils ne se doutent pas encore de l'ampleur que va prendre cette échappée. Le convoi guadeloupéen est sur les rails, l'écart se creuse au fil des kilomètres. D'autant que les Espagnols sont les seuls à faire l'effort. Le Venezuela est représenté en tête, tout comme Gillette Fusion. Karen, comme son équipe, ne bouge pas. L'écart passe de 3 minutes 20, puis 5 minutes 40, puis 7 minutes 47. Au pied de Salé, première difficulté de la journée. Edwin Becerra, l'un des compagnons de route de Curier, décide de s'en aller seul. Le Vénézuélien est dans son élément, il passe toutes les difficultés seul en tête, sans pour autant creuser l'écart décisif sur Curier. Victoire pour le Vénézuélien Becerra, deuxième succès personnel, quatrième pour son équipe. Olivier Curier obtient la deuxième place et enlève le maillot jaune. Fallait creuser l'écart impérativement. Parce que je sais que je ne pouvais pas passer les bosses quand la grande bagarre se déclencherait. Et puis je remercie tous mes coéquipiers, Corneli, Clarico, Bondo et le jeune Kieran Barolin. Et tous les Guadeloupéens qui étaient avec moi, surtout Martial Gênes. Les gars m'ont encouragé. Puis j'ai su trouver les gens m'ont répondu. J'avais mal avant la bosse, mais il y a Corneli qui m'a donné la force. Et je me suis dit que je ne pouvais pas leur faire ça. Et puis... Moi, j'ai fait deuxième, mais c'est quasiment comme si je gagnais puisque j'arrive dans ma commune. Ce soir, au général, Olivier Curier dispose de 1 minute et 51 secondes sur Edwin Becerra, 3 minutes 08 sur Francesco Mancebo, 3,09 sur Boris Karen. Au pied des mamelles, la grande explication a commencé. Mancebo, Bizurov, Karen, Anzola, Becerra, Chacon abordent en éclaireur cette difficulté. Le peloton du maillot jaune accuse à cet instant un retard de 40 secondes. À mi-montée, Bizurov met la surmultipliée. Seul Anzola, Karen, Wilches, Chacon restent dans sa roue. Derrière, Francisco Mancebo, Hector González, John Novas ont décroché. À 2 minutes et 29 secondes, Olivier Curier essaie de limiter la casse, surtout ne pas se mettre dans le rouge, surtout ne pas trop perdre des forces. Après des mamelles, on verra. Au sommet, Wilches prend les points du GPM devant Chacon et Anzola. Fini la montagne, on retrouve le pas, le groupe des attaquants matinaux se reforme avec Mizurov, Karen, Sanchez Anzola, Pablo Wilches, John Novas, José Chacon, Hector González et quelques autres. Derrière, le peloton du maillot jaune accuse plus de 6 minutes. Olivier Curier ne se fait plus d'illusions. Il aura quand même porté le prestigieux maillot au moins une fois dans sa vie. Direction Saint-Félix, Edwin Sanchez Anzola place une banderille. Seul Novas et Chacon réagissent. Derrière, on se regarde en chien de faïence.
c'est à Karen de boucher le trou, semble dire Mizurov et Mansibo. Devant, on ne se pose pas de questions, l'écart se creuse pour atteindre jusqu'à 2 minutes et 15 secondes. À cet instant, Max Makambu demande à Chacon de décrocher car la bonne opération est au profit de Anzola. Et quand Max demande, on s'exécute. Dès lors, cela roule de concert, l'écart se réduit, les fuyards sont repris. Dans les derniers hectomètres, Juan Pablo Wilches trouve son salut dans la fuite. Il offre une belle victoire à la Colombie et au vélo club de Cancas-Saint-Martin. Francisco Mancebo est deuxième, Boris Karen troisième. Le peloton du maillot jaune passe avec un retard de plus de 6 minutes. Ce soir, le paletot retrouve les épaules de Francisco Mancebo. Boris Karen est à 4 secondes. Cette huitième étape a été remportée à Trois-Rivières par Miguel Ubeto, le coéquipier de Boris Karen. C'est dans l'ascension de Salé que le Vénézuélien a construit sa victoire. Il place précisément ici, avec ses compagnons d'échappée, il les dépose. Miguel Ubeto qui apporte aux Guadabikers 118 une troisième victoire d'étape sur le Tour. Boris Karen réalise le 7e chrono, 24 minutes et 2 secondes sur les 10 km 290 entre Baïf et Saint-Claude et perd son match contre son principal adversaire, l'Espagnol Francisco Mancebo. 5e perte de l'après-midi, l'ex-pro de Banesto en retard dans la première partie du parcours refile 40 secondes à Boris Karen à l'arrivée. Karen qui demeure son premier dauphin général à la veille de l'épilogue, mais à 44 secondes désormais. Le vainqueur de l'épreuve n'est autre qu'Edwin Sanchez Anzola, crédité de 22 minutes 40 secondes. Ce soir, le sociétaire du Gilet Fusion UVNOR est troisième du général à 1 minute 41 du leader. On l'attendait. Il a répondu présent. C'est le Kazakh Andrei Mizurov qui a mis 22 minutes 42 secondes à se propulser au sommet. Il est deuxième à 5 secondes d'Anzola. José Chacon se classe troisième de l'épreuve contre le chrono à 11 secondes du meilleur. Au général, il possède 4 minutes 31 à la 6e place. Juan Pablo Wilches est 4e de ce 2e tronçon et Edwin Becerra, le Vénézuélien, prend la 6e place à 51 secondes. Le Vénézuélien omniprésent avec encore John Navas, 8e de l'épreuve à 1,28 d'Anzola, mais 4e du général à 2 minutes 18 de Mancebo. Neuf étapes, 1276 km, plus de 30 heures, qui ont intéressé toute la population de l'archipel depuis le 6 août dernier. Au final, et au général, l'Espagnol Francisco Mancebo s'impose. Il bat le chouchou de la Guadeloupe entière, Boris Karen, de 44 secondes. Robert Gaspard, vous êtes en direct avec nous, en compagnie de Boris Karen, depuis Pointe-à-Pitre. Terme de ce tour, quel est l'état de fraîcheur de ces hommes hors du commun ? J'étais surpris lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient tous beaux et frais. Ce sont des garçons bien préparés. Et vous parlez de popularité, Jean-Claude, il y a du monde ici à ne plus savoir où les mettre. Beaucoup de monde. Et tout le long du circuit, après la il y avait du monde. Et Boris nous le confirme, Boris nous le disait tout à l'heure, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ça donne des airs. Ben oui, déjà bonsoir à toute la population. Je tenais déjà, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je tenais à remercier. La famille qui est là, M. Camille Vaitilingon, qui m'a permis de partir cette année en préparation en Colombie. Et toute la famille Vaitilingon, mes sponsors, Technisol, Pierre et Vacances, SOS, PSO, tout le monde. Tout le monde qui maintenant, il faut le dire parce que. Il faut le dire parce que c'est eux qui nous donnent la force, qui nous vibrent, c'est eux qui nous donnent. Si
Sans les sponsors, on n'est rien, il n'y a pas de vélo en Guadeloupe. Absolument, le Bourisme, le Tour, vous terminez à la deuxième place, mais il n'y a pas à rougir de cette deuxième place, vous me disiez. Non, aujourd'hui, bon, le truc qu'il y a, c'est simple. Hein. On a vu un très grand Mansebo qui a su gérer sa course de fort belle manière. Après, bon, j'ai pour le public, depuis hier, qui est en masse sur les routes, depuis le début du Tour aussi, mais depuis hier, c'était vraiment impressionnant. J'ai voulu tout donner, me surpasser pour eux, mais bon, malheureusement, je suis tombé sur plus fort que moi. Je suis pas découragé, c'est vrai que gagner ça aurait été la plus belle des choses, surtout pour la Guadeloupe, parce qu'après 19 ans, toute la Guadeloupe attend ça. Mais il faut pas baisser les bras et puis on va remettre ça l'année prochaine. Boris Mansebo était-il imbattable pour ce 60e tour? Bon, je vais pas dire qu'il était imbattable, moi je suis tombé sur quelqu'un qui était beaucoup plus fort que moi. Aujourd'hui j'ai envie de travailler, j'ai envie de progresser comme d'autres Guadeloupéens qui sont en train de monter en pression. Donc j'espère que la population pourra nous faire confiance et croire en nous à l'avenir. À quel moment vous avez senti que ce tour vous échappait, Boris? Bon, normalement j'étais pas venu pour terminer le tour, normalement je devais même pas prendre le départ du tour parce que j'ai deux codes fêlés, je voyais Madame Labouret, je voyais mon ostéopathe tous les deux jours, le kiné tous les deux jours. Je pensais même que j'allais arrêter. Mais tout le public, toute la Guadeloupe croyait et puis j'ai voulu faire plaisir à tout le monde, donc bon, j'ai essayé, puis je regrette rien. Boris, à 24 ans, l'avenir vous appartient. Bah oui, c'est vrai, l'avenir nous appartient. On va essayer de tout mettre en œuvre avec les équipes, les sponsors, tout le monde. Et bon, on verra. D'ici l'année prochaine, je pense que le niveau en Guadeloupe va encore s'améliorer. Et j'espère qu'on pourra faire de bonnes choses. Quelle est la vision que vous avez sur des petits jeunes comme l'Enclume ou comme l'autre qui arrive derrière vous? Attention. Moi, ça me fait très plaisir. Vous savez, il y a Eustache, il y a l'Enclume, il y a Delio. C'est des jeunes qui progressent. Après, il faut partir, il faut aller en Europe, il faut aller à l'aventure. Je l'ai fait, je vais encore le faire si on ne m'ouvrait pas. Donc, c'est des jeunes qui progressent, c'est les espoirs de la Guadeloupe. Merci. Big Four, salut. Robert Gaspard, Robert, nous excusons pour la mauvaise qualité du son que vous recevez chez vous. Il aura fallu attendre quelque chose comme l'ultime étape pour que l'honneur de la Guadeloupe soit sauf. Et c'est un garçon du nord de la Grande Terre qui se distingue à Pointe-à-Pitre. Edwin Nicholson de l'UVN s'est imposé dans un rush final, un sprint de toute beauté. Résumé de cette dernière étape, Thierry Blanco. Un boulet de canon. Dans 500 mètres, cet homme, Edwin Nicholson, première victoire guadeloupéenne de ce 60e tour. Explication. Vargas, toujours aussi vert, se met dans le rouge. Mais le TGV orange, l'équipe de Nicholson, en mode grande vitesse, démonstration. Résultat, Edwin lève les bras et cette fois, c'est la bonne. Cette victoire d'étape aujourd'hui, c'était déjà prévu depuis hier soir avec Anzola, Philippe Balmis, Régis Marichaud, Edwin Bellé, Miguel Cloassier, ainsi que moi-même. J'ai confiance en moi, je leur ai dit que je suis capable de gagner, je suis en mesure de gagner. Et le travail a été fait sur le circuit. J'étais bien concentré, j'ai dû tout donner à la fin pour la Guadeloupe. Lui aussi a tout donné aujourd'hui. Karen, c'était Boris Attac. Problème, Mansebo reste collé à ses boyaux. Alors, pour la beauté du geste, il restera pour nous Boris Panache. J'ai fait ce que je pouvais, je me suis mis à bloc, mais c'est vrai qu'il y a une grosse équipe de l'Espagne et du Venezuela qui voulait contrôler, donc bon, un petit peu déçu, même si on termine deuxième, mais toujours déçu, amer. Il y a du peuple, il y a l'OPN qui croyait, et puis bon, j'avais à cœur de reprendre le flambeau, mais bon, si c'est pas moi, ce sera un autre. Alors chapeau, Paco Mansebo, c'est l'année de l'Espagne et la première victoire d'un coureur ibérique au Tour de Guadeloupe. Merci pour tout et à l'année prochaine. Merci Thierry. André Alexis, vous êtes notre invité. Là, vous avez retenu l'attention des téléspectateurs pendant une dizaine de jours grâce à vos compétences en matière de vélo et votre pertinence dans les analyses. Que retenez-vous de ce Tour de la Guadeloupe 60e édition? Bonsoir au peuple guadeloupéen, mais je retiens un super grand tour avec des animateurs que sont les jeunes. Tout d'abord, Contrôle, Lautric, Delio, L'Enclume, Mini, Blondin. Tout cela, c'est la nouvelle vague. Et surtout, un grand Boris Karen. Quoi qu'on dise, il finit deuxième derrière un grand Mansebo avec peut-être pas plus de compétences cyclistes, mais une compétence technique. Et puis une tacticité importante chez eux. Vous parlez de la compétence technique de Mansebo. De Mansebo. Et là, il a montré vraiment que le haut niveau, c'est quelque chose.
Et toutes ces années passées à faire le Tour de France, le Tour d'Espagne, c'est oui. quand même ce qu'on appelle le baguarde. Oui, bien sûr. Et précisément, vous pensez que quelqu'un d'autre aurait pu battre Boris là, cette année? Peut-être. Mizurov, parce qu'il n'avait pas d'équipe. Il était isolé. Mais je pense que Boris était l'un des hommes forts du Tour. Et comme je dis, on n'a pas à rougir. Je pense que la Guadeloupe a eu un très, très bon Tour. De bonnes factures, des coureurs bien préparés. Mmh. Et un bon parcours, une bonne organisation. Et puis, nous, on était vernis puisqu'on offrait aux Guadeloupéens un beau spectacle, nous qui étions là. Et nous étions en mesure de faire ce qu'on a fait avec les moyens des RFO. Effectivement, je crois que nous avons fait notre boulot. Et c'est tant mieux pour le public. Alors, la dernière victoire d'un coureur guadeloupéen remonte à 19 ans. Quand serons-nous prêts à récidiver? Ben, j'espère l'année prochaine, c'est tout ce que tout le peuple espère. Mais il est difficile, comme on le répète souvent, de faire une projection sur une année. Il y a beaucoup de jeunes qui pointent le bout du nez. Ce serait important qu'ils sortent. Et quand je dis qu'ils sortent vraiment, qu'ils aillent sur des grandes compétitions en Europe, ensemble les jeunes, pour que demain matin, nous ayons un cyclisme meilleur. Mais il ne faudrait pas qu'on attende tout de suite de cette génération qui pointe le bout du nez, qu'elle gagne l'année prochaine, il suffit maintenant. Qu'ils apprennent vraiment ce que c'est que le vélo, le vrai vélo, la grande compétition, le haut niveau, et peut-être nous aurons dans 2 ou 3 ans cette victoire que nous attendons tant. André, Alexis, ne soyons pas dupes. Hein. Nous savons comment ça se passe dans les pelotons sur le Tour de France, au Tour d'Espagne, au Giro. C'est difficile, c'est très difficile. Cela demande énormément de préparation et... Est-ce que nos coureurs, qui sont chouchoutés ici dans leur élément traditionnel, avec les petites femmes, avec plein de choses, est-ce que nos coureurs sont prêts à aller en Europe et forcer? C'est pour ça qu'il faut les briefer. Il faut les briefer chez les parents, dans les clubs, et leur dire, bon, c'est difficile, c'est pas un vélo, c'est pas une discipline facile. Quand on se retrouve en métropole, eh bien, il y a la difficulté de l'isolement, il y a la difficulté de toute la préparation, de tout ce qu'on vivait ici, ce n'est plus la même chose. Quand ils partiront ici, il faut bien leur expliquer qu'ils partent de zéro, qu'ils seront des inconnus là-bas et qu'il va falloir grandir en homme et devenir de bons cyclistes, mais comme je dis, un groupe, puisque l'équipe espagnole a bien démontré qu'il faut une équipe pour gagner un tour, et pas un homme comme Boris Karen a été un homme, même s'il a été aidé par son équipe, le Guadeloupe Bikers, mais il faut que ces jeunes grandissent ensemble et deviennent forts ensemble. Vous restez avec nous, André. Nous allons revenir avec Robert Gaspard, après tapitre, sur cette ultime épreuve, et notamment avec le vainqueur Mancebo qui est arrivé. Avec oui, vous. Absolument. À ce moment, Paco Maximo est là, il était à l'hôtel, bon, il a fait vite pour arriver. Une dernière question avec Boris. Boris, l'avenir, c'est déjà le Tour de Guyane, vous êtes dans la sélection, c'est ça? Oui, normalement, on part mardi ou mercredi. Donc on va essayer de défendre les couleurs de la Guadeloupe avec de très bons coureurs. Objectif, remporter le Tour. Objectif, remporter le Tour. Hein. Vous savez, dès que la Guadeloupe se déplace, on part pour gagner. Donc moi, je serai un équipier et puis on verra. Ok, merci beaucoup, restez avec nous. Bravo, monsieur Francisco Mancebo. Merci. C'est le soulagement maintenant. Oui, maintenant je suis très très content et je suis bien maintenant. Alors aujourd'hui vous avez contré toutes les attaques, on a vu ça en image. Il vous a donné du travail, hein, du fil à retour. Il a roulé très bien aujourd'hui, il a attaqué beaucoup de fois, mais ouais. Il a surveillé, il est sorti toujours à son coup. Pablo, quelqu'un qui a fait 6-7 Tours de France avec les plus grands, avec Ed Duran, et qui termine 4e en 95. Qu'est-ce que ce Tour, cette victoire vous fait, vous? En 2005, hein, 4e. Bon, tous les Tours sont différents, non? Le Tour de France, le Tour de France, et le Tour de Guadeloupe, est tout différent. Ici, c'est court, à bloc de la partie, jusqu'à l'arrivée, tout le monde attaque, et bon, c'est très très difficile pour contrôler. Et aussi, les équipes sont petites, non? Sont équipes de 6 coureurs, que c'est par ça que est plus difficile le Tour. Robert, quelle image gardez-vous de ce Tour? Robert, vous m'entendez? Bon, pour regarder, c'est le public surtout, non? La journée d'hier, la contre-la-montre, a été impressionnante, non? Tout le monde sur la route, tout le monde a animé à courir, c'est joli, très très joli. Alors les objectifs que vous êtes fixés de l'avenir, vous allez faire quoi en partant? Voilà, c'est la question que j'allais poser. Bon, je connais sa course cette année, et bon, pour moi c'est une belle course, et j'espère revenir, si je peux venir l'année prochaine,
Mieux non, mais j'espère être ici encore. Tout le plaisir sera pour nous. Alors, on va faire un petit exercice. Boris, vous avez une question à poser peut-être à Pablo et vice-versa. Allez-y. Non, c'est pas une question, c'est juste le féliciter pour sa victoire. Et puis, j'espère qu'il reviendra l'année prochaine. Et puis, c'est un gars que je respecte parce qu'il a un gros palmarès, il est très fort. Donc, big respect. Et puis, qu'il est bienvenu en Guadeloupe pour le prochain tour. Pablo, une question pour... je vais féliciter José parce que lui a fait un grand tour. Il a le futur no, dans le cyclisme. Bon, j'espère que lui peut trouver un grand équipe pour courir en Europe aussi. Ok, vous serrez la main, c'est fini. On va maintenant s'amuser et vous attendez au podium. Voilà, mon cher Jean-Claude, ce qu'il fallait retenir sur ce tour de Guadeloupe. Le podium a démarré et ils sont attendus pour recevoir les prix. Et la fête va continuer tout à l'heure. Merci Robert Gaspard, on vous remercie. Ainsi que les deux champions qui étaient avec vous, en votre compagnie. Alors André, qu'est-ce que ça vous suscite, cet échange entre les deux garçons? C'est bien, on voit que ce sont deux champions, ils se respectent. Bon, c'est de l'adversité, il fallait un vaincu, il fallait un vainqueur. Il se serre la main parce que c'était un combat sur la route, mais maintenant ce sont des hommes. Mmh. Et c'est normal qu'ils soient ensemble et que tout à l'heure la fête battra son plein. À votre avis, Boris Karen, il a 25 ans, Mancebo a 34 ans. Quel est l'avenir pour ces deux garçons? Ben Mancebo, je pense que quand on a évolué au haut niveau, il a encore envie d'y retourner, même s'il a été déçu. Sincèrement, même s'il trouve une faille, il va rentrer. Et Boris Karen, s'il essaie, il est peut-être, je dis ses limites, parce que 25 ans, c'est peut-être difficile maintenant. Mais comme c'est trop vieux pour partir professionnel. Mais maintenant, comme il y a une disette en France quand même de grimpeurs, il pourrait quand même essayer et voir si les portes s'ouvrent devant lui. Merci. Ne pas attendre que la porte s'ouvre, il faut simplement... Il faut la forcer aussi. Voilà, il faut qu'il pousse et ne pas dire si on m'offre ma chance. Il faut qu'il prenne sa chance. Merci André Alexis.